Mais attendez, pourquoi il y a 3 Under Dragons en haut là? J'espère qu'il n'y aura pas 3 Under Dragons, hein. Et on met tout, et voilà, et on y va. Comment ça 4 maintenant? Mais quoi? Mais là, le jeu essaie de se foutre de ma gueule. Il y a absolument rien en plus, mais. Oula. Mais attends, mais c'est quoi ce truc? Ça, c'est Minecraft. Mais je vais pouvoir faire pousser des mobs. Oui, oui, faire pousser des mobs. Et vous allez voir que ça a été très fun et très, très étrange. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que c'est bien cool d'avoir 100 000 abonnés, mais 200 000, c'est mieux. Et est-ce que vous voyez cette chose? Et bah, si vous mettez pas de like, ça serait très, très dommage pour vous. Bon, les gars, est-ce que vous connaissez l'amour et dans le pré? Et bah, aujourd'hui, on va être dans l'amour et dans le pré. On va être des petits agriculteurs. Et des agriculteurs très très expérimentés. Aujourd'hui, on va faire pousser des mobs. Et pour le côté amour de l'amour et dans le pré, croyez-moi qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'amour. Ça va être la guerre. Du coup, on va commencer par prendre du bois. Parce que là, il faut que je me chauffe. Oula, qu'est-ce que je vois là-bas là? Oula, j'aperçois une maison. Ce qui signifie un village. C'est absolument parfait. Du coup, bah les gars, comme vous l'avez vu à l'intro, je vais devoir me crafter des mobs de base. Enfin, du moins des graines. Et grâce à ces graines-là, je vais pouvoir faire pousser des mobs. Je vais carrément aller prendre de la cobble en bas. Parce que les gars, croyez-moi que quand je vais faire pousser l'Under Dragon, il faut que je sois préparé. Hein. Il faut que je sois un minimum stuff. Oula. Déjà du fer, mais oh là là. Vous savez quoi, on va même pas le prendre. Rien à faire. Aujourd'hui, je suis un paysan, je suis un agriculteur. Prendre le fer maintenant, c'est de la triche. Donc, tac, une pioche et une hache. Voilà. Bon, maintenant, de toute façon, les gars, il faut que j'ai des graines. Il faut que j'ai le plus de graines possible. Du coup, bah, on va faire une petite session où on va miner des graines. Ouais, je sais que c'est un peu chiant, mais bon, on doit le faire. Si on passe pas par là, malheureusement, on ne pourra pas être un agriculteur. On gagne certes pas beaucoup, mais on est très très fiers de ce qu'on fait. S'il y a un village, ça veut dire que j'aurai de la nourriture. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi de la nourriture. Parce que là, ça commence à devenir un peu galère. Oh, des pommes, du pain, cool. Et des livres. Mais ça, on s'en fout. Parce que les gars, les agriculteurs ne savent pas lire ni écrire. Ils savent cultiver. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on s'en fout de savoir lire. Mais alors toi, mon gars, viens ici. Voilà, on l'a tué. Il faut quand même que je prenne de la bouffe. Sinon, malheureusement, on va mourir. Et je n'ai pas envie de mourir. Si je mets du bœuf cru et que je l'entoure de graines... Oh, donc là, on a une graine de vache. Du coup, attendez, si je fais ça et que je pose ma vache... Ah oui, quand même. T'arrêtes de faire du boucan, toi? C'est étrange de fou, en fait, là. C'est une ambiance très, très bizarre. J'ai l'impression que j'ai un animal mort empaillé. Je sais pas si je dois attendre, si je dois la... Bon, je dois pas la taper. Il faut que je l'observe pour qu'elle pousse. Ah! Pourquoi j'ai eu peur? Je ne comprends absolument rien. Mais je suis idiot, mais attendez, mais il n'y a pas d'eau à côté. Mais je suis complètement bête, c'est pas possible. Attendez, on va la mettre là. Si je la mets là, bam. Bon, là, il y a de l'eau. Logiquement, tout devrait se passer correctement. Je savais pas qu'une vache avait besoin d'eau pour pousser. Hein. On en apprend tous les jours. Bon, bah, on va la laisser pousser. Moi, je vais un petit peu essayer de voir ce qu'il y a dans le village. Oh, mais attendez, ici, il y a des moutons et tout. Mais attendez, ça veut dire que. Est-ce que je peux faire pousser des moutons aussi? Si je fais ça. Oh! Et là, on a une graine de mouton. On va mettre mon ami le mouton à côté de ma vache. On va créer une équipe de foot. Je vais le mettre là. Là, ils sont en amoureux. Bon, maintenant, attendez. Est-ce que je peux trouver un cochon? Il y a un cochon. Donne-moi ça. Voilà. Oh, bingo. Mon ami le cochon, tu vas te retrouver ici. Voilà. Oh, mais attendez. Si je fais ça et ça. Oh. Bon, là, on a tous les mobs sympathiques du jeu. Mais attendez, est-ce qu'il y a d'autres choses si je fais ça? Un cheval. Et bam. Il est ici. Ses potes, ils sont bien vers l'avant. Lui, il est bien allongé dans son siège. Bon, bah, le seul problème, c'est qu'ils ont pas trop trop envie de pousser. Hein. Oula, il commence à faire nuit. Ok. Bon, là, maintenant, il me faut des squelettes. Donc là, je sens qu'on va pouvoir commencer à se crafter pas mal de mobs. Donc attendez, est-ce qu'il y a des squelettes? Ok, il y a un squelette là-bas. C'est parti, j'y vais. Voilà. Oh, merci, mon gars. Vous, je vais quand même vous tuer au cas où. Même si je sais pas à quoi vous allez me servir. Mais ils m'ont rien donné, là? Mais c'est de l'arnaque ou quoi, là? Oula, il y a d'autres squelettes, là. Donc là, j'ai de la poudre d'os. Et si je fais clic droit... Oh, yo, yo. Oula, 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 oula. C'est pas ce que vous croyez, hein. Il se passe quoi si je fais clic droit? Oh! Mais attendez, ça a fait un bruit de blaze, là. Et si je la tue, il se passe quoi? Bon, là, c'est bien parce que c'est des mobs gentils, mais quand ils vont être méchants, regardez-moi la strat. Là, je vais dormir, tous les squelettes vont prendre feu et je vais être riche. C'est totalement ça, hein. Allez, mourez et rendez-moi riche. Alors, fais-moi les malins, hein. Est-ce que le craft des squelettes, il existe? Donc, si je mets mon os et que je l'entoure, mais non, mais je veux pas ça, moi. Mais ah, ça ne marche pas. Du coup, attendez, il faut peut-être que je teste avec un arc. Malheureusement, je n'ai pas de fil. Mais je possède une spider seed. On va faire pousser des araignées. C'est très très bizarre dit comme ça, mais on va le faire. Donc, si je fais ça et ça. Ah oui, quand même. Elle est en train de faire l'avion de Pablo, là. Et si je fais ça. Oh, mais elle est gentille. Voilà. Et si je mets mon arc et des graines, et là, on a un skeleton seed. Bon, là, logiquement, ça devrait se passer comme les autres. Je fais ça. Il est un peu caché, là. Oh, il fait comme Michael Jackson. Donc là, je le tape et il spawn. Oh, mais il a pas d'arc. Bah, il peut me taper, c'est pas cool. Non, bah non, non, bah non, bah non, bah non, bah non. Où est ton arc? Il m'a rien drop, là? Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que les os, on en a pas mal. Attendez, et logiquement, si je dis pas de conneries, je peux me crafter un golem. Voilà. Et là, on a un iron golem. Donc, tac, tac. Et là, je le fais pousser. Et du coup, là, si je le tape, il est gentil. Il est gentil. Oh. Bon, bah, de toute façon, les gars, je pense qu'on va faire ça en boucle, hein. Et vous savez quoi? Je vais prendre plein de graines et il faut que je m'en crafte énormément. Bon, voilà, j'en ai farmé quand même pas mal. Donc là, les choses sérieuses vont commencer. Oh, attendez, est-ce que je pourrais pas faire une farm? C'est totalement ce qu'on va faire. On va faire une farm. Je ne vous dis pas que ça va marcher à 100%. Même ça a de très très grosses chances de foirer. Mais on va tenter. Oula, on dirait un prédateur. Voilà, je vous présente ma magnifique machine. On va tous les faire pousser. Attendez, et là, logiquement. Oh là là. Aïe, Pierre est jaloux. Ah! Bon, c'est exactement ce que je vous ai dit. Faut que je fasse gaffe.
Et voilà. Et on a 24 de fer. Je suis un peu déçu, mais ça va. Donc, une pioche, une hache. On va se faire un petit chapeau et un petit sweat. Bon, bah maintenant, les gars, il faut que je tente de me crafter des choses un petit peu plus dangereuses. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Il faut que j'aille dans le nether si possible. Oh, une grotte. Oula, mais attendez, mais ça descend de fou là. Wow. Ah ouais, ça descend de fou là. Oh, il y a du fer. Bon, attendez, on s'en fout du fer, on est riche. Bon, là, si on peut trouver du diamant, ça serait cool. Mais je suis un malade. Mais je suis un malade, mais je suis fou. Mais je suis complètement fou, c'est pas possible. Bon, bah les gars, on va se faire un portail. Et là, logiquement, bam, et voilà. Bon, là, on a notre magnifique portail. Bon, allez, on se taille, c'est parti. Mais c'est quoi ce spawn? Oh, ça, c'est cool. Avec ça, on peut crafter des Enderman. Donc, si je ramasse ça, ok. Donc, si je mets ça au milieu et que je l'entoure, ok. Et là, on a des Enderman. Bah, on va prendre beaucoup, beaucoup de ça, en fait. Bah, maintenant, les gars, il faut que je trouve une forteresse. Une forteresse, incroyable. Ok, on a la forteresse. Bon, maintenant, il faut que je fasse gaffe. Salut, les gars. Oula, ils sont énervés. C'est bon, j'ai trouvé. Oh, déjà un bâton de blaze. On va quand même essayer d'en prendre au moins 3-4. Est-ce que ça marche comme ça? Ah, ça marche pas? Oh, j'ai fait une boulette. Du coup, il faut le bâton de Blaze. Donc, si je mets mon bâton et que je fais ça... Ah, mais ça ne marche pas comme ça. Mais attendez, mais quoi? Oh, les gars, je viens de voir le craft. Et croyez-moi que j'ai envie de tout casser. Parce que c'est super, super simple. Bon, bah, les gars, vous savez quoi? Il faut que je retourne à mon portail. Oh, mais attendez, ça peut être cool, ça. Le meilleur bloc de Minecraft est ici, les amis. Enfin, du moins pour aujourd'hui. Donc, logiquement, si je transforme ça et j'ai de la poudre d'os... Oi, 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 oi. Ce bloc-là va participer à ma nouvelle richesse. Oh, attendez, il y a un portail abandonné ici. Oh, du coup, attendez, il y a quoi dans le coffre? Oh, 64 obsidiennes. Qu'est-ce que ça fait plaisir? Oui, bon, j'ai peut-être un petit peu triché. Mais après, bon, je vous mens pas que le nether, c'est très très chiant. Et mon portail, je savais pas où il était, hein. Donc oui, si j'ai un petit peu triché, bah... Je m'excuse. Donc on se taille, c'est parti. Je vous mens pas que faire pousser des blazes ou des Enderman ici, ça risque pas d'être pratique. Je dois me faire un bateau. Je ne suis plus Roger, l'agriculteur. Je suis maintenant un pirate. Bon bah maintenant, il faut que je trouve la terre ferme. Bon, ça a l'air d'être une île, donc j'aime pas trop ça, mais on va quand même y aller. C'est pas une simple île, donc ça c'est bien. Bon bah, on va faire pousser nos mobs là-haut. Donc logiquement, si je fais cuire ça, et logiquement, si je fais ça et que je l'entoure, et là on a du blaze. Bon bah là, je vais tenter de m'en faire un peu plus. Bon là, on a 8 blaze et 5 Enderman. C'est suffisant. Bon maintenant, il va falloir les faire pousser, hein. Et ça va pas être facile. Parce que comme vous êtes au courant, ils font très très mal. Du coup, il va falloir qu'on se fasse une farm. Et vu qu'on a de l'obsidienne, on va se faire une farm de bourgeois. On va faire pousser nos mobs ici là. Bon là, ça ressemble pas à grand chose, mais ça va être utile. Voilà, je suis dans mon poste de travail. On va labourer la terre. Et maintenant, on va faire pousser. Ils sont étranges là. Oula. Et du coup, si je fais ça, ah oui. Waouh. Franchement, ça fait flipper, hein. Attendez, vu qu'il y a pas d'eau, logiquement, bam, 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 bam. Ok, tac. Et voilà. Et là, ils sont tous là. Et là, c'est parti. On va farmer. Bon, c'est pas franchement le plus optimisé, hein. Et voilà. Bon, attendez, soit ils ont été radins, soit j'ai pas eu de chance. Ou soit il y a un très très gros problème. Eh, vous savez quoi, les gars? Ici, on est des barbares, on a peur de personne. Du coup, tac. Du coup, on va les faire spawn comme des bonhommes. Bon, par contre, s'ils me donnent rien, je vais pas être content avec vous, hein. Ah, ils en donnent. Ah bah, tu vois que c'est pas compliqué de m'en donner. Bon bah là, il va falloir qu'on farme. Bon, ok, c'est bon, j'ai eu suffisamment de blaze, ok. Bah maintenant, il faut que j'arrive à farmer des Enderman. Allez, on grandit, les petits gars. Et boum, on va le faire à l'infini de façon, hein. Donc vous savez quoi, tac et tac, on se fait des œils de l'ender, voilà. Bon là les gars, maintenant il nous faut du diamant. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc il faut qu'on aille miner. Du coup bah il faut qu'on trouve une grotte. Bah parfait, incroyable. Oula mais elle descend de fou la grotte en plus là. Et si je trouve du diamant maintenant là, je suis l'homme le plus chanceux du monde. Et il me faut seulement un diamant, je demande rien de plus. Vous savez quoi, on va aller couche 12. J'en ai rien à foutre, comme ça au moins ça va être du rapide. Oula, il y a de la lave. Ça va être oh la chance. Oula, par contre, oula. Bon là il faut que je fasse gaffe du coup, hein, parce que là il y a de la lave. Bon là je prends quand même beaucoup de risques. On va se faire une protection. Donc là vous mettez votre like. Si je mets mon diamant et que je l'entoure, ok. Et là on a un évoqueur. Donc c'est celui qui nous sert à avoir les totems. Et ça c'est très très fort. Donc si je le pose, bam. Donc là je le fais pousser là et bam. Oula oula, merde. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Là les gars, il faut qu'on arrive à le tuer en faisant très attention. Il s'est barré ou c'est complètement moi qui sais pas où il est parti là? Oula, j'ai libéré un démon dans la nature. Et bah vous savez quoi les gars, on va le refaire spawn. Et on va le refaire spawn de façon un peu plus safe. Bon, il faut que je cavale parce que eux, ils font très mal. Ok, je l'ai chopé, je l'ai chopé. Bon là maintenant on peut se barrer. Bon, le dragon il est par où là? Ok, il est derrière moi. Allez, donne-le moi. Aïe 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 aïe. C'est par là-bas, du coup il faut qu'on y aille. Bon là le problème, c'est qu'on est un petit peu à poil quoi. On va affronter le dragon à poil. Bon bah là maintenant les gars, il faut qu'on trouve le dragon et qu'on le fasse pousser. Parce que si je dis pas de conneries, le dragon n'existe pas. Pourquoi elle est partie comme ça et elle est montée d'un coup là? Ah bah peut-être parce que c'est en bas, hein. C'est. Ouais, c'est une très bonne supposition. Bon attendez, on y va. Oula, j'entends de l'eau. Ok, c'est en dessous. Ok. On est dans la bibliothèque. Ah oui, quand même. Ah oui, ça rigole pas, hein. Ok. Oh bah, non mais c'est incroyable, c'est pas possible. Ok, bon, on l'a trouvé dès le début. Vous savez quoi, je mets tous les œils de l'ender. Et bam, et j'y vais. Et là, comme vous pouvez le voir, le dragon n'a pas l'air d'exister. Bon là, par contre, vu la gueule de mon stuff, je sens que je vais me faire monter en l'air. Mais c'est pas grave, c'est pour l'expérience. Si je mets ça et que je l'entoure de graines. Oh. Et là, on a le Under Dragon Seed. Ok. Et vous savez quoi, les gars, je vais sûrement mourir. Mais c'est pas grave. Je vais faire ça et je mets le dragon. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à le poser? Bon, attendez, là, je suis en créatif, on va voir quelque chose. Oh.
Ouais, mais mon gars, c'est... Mais ouais, mais non. Bon, attendez, on va faire semblant qu'il n'a pas spawn. Pour le faire pousser, c'est sur ça. Donc si je le pose, je peux le poser. Est-ce que tu crois que j'ai peur de toi, mon gars? Et là, on le fait pousser. Oh. Et là, comme vous pouvez le voir, et si je fais clic gauche, et là, il y a deux barres d'Under Dragon. Attendez, comment ça, il y a deux barres? Mais j'en vois qu'un. Comment c'est possible? Je n'ai peur de personne. Viens te battre. Oula. Je me bats déjà assez contre moi-même. Je sais pas pourquoi je veux défier quelqu'un d'autre. Bon, je suis mort, mais bon. Eh ben non, je ne sais pas comment le tuer, hein. Je dois m'avouer vaincu, je ne peux pas le tuer. Il est malheureusement meilleur que moi. Pour me faire pardonner, sur ma chaîne short, je vais faire un short où je vais tenter d'invoquer 1000 dragons. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à mettre un commentaire, parce que là, tu vois que je suis un peu dans la merde. Tu viens sur mon Discord, sur mon Twitter, on va les brain. Au revoir. Ça, c'est très con.